Et allez, soupe de langue. Vous rappelez de la Spiro dans les Teletubbies? Moi, je préfère avoir une femme un peu ronde et potelée. Et hein, t'as matière, tu vois. Je parle avec les mains, mais j'agis avec les mains aussi. Moi, j'aime bien hein, quand il y a quelque chose à tâtonner, là. Hein. Ça, c'est intéressant. J'étais en bagnole, je conduisais comme ça, et j'avais 3 potes dans la voiture. On s'arrête à un feu rouge, et là, on voit une voiture garée. Et à travers les deux fenêtres de la voiture, tu voyais juste une tête et quelqu'un qui traficotait comme ça, tu vois. Et là, tous mes potes, putain, mais il est en train de voler la bagnole, il est en train de voler la bagnole. Le feu vert passe, moi, j'avance parce que je vais pas rester là planté. Mes potes se retournent, commencent à être morts de rire. Moi, je fais vite fait un tour comme ça. Qu'est-ce que je vois pas? C'est un mec en fauteuil roulant. Et ils se sont mis à rigoler pendant tout le trajet. Le mec en fauteuil roulant qui essaie juste d'ouvrir sa bagnole. Sur le coup, on a rigolé, hein, vraiment. Mais après, cette honte, ils ont fait ça, voilà. Comme on est en train de faire des vannes, que des vannes. À nouveau, unis. Unis. Oh là 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 là, mon dieu, il a poussé la note, il aurait pas dû. Merci, c'est quoi? Gorgonzola? Oh. Beaucoup, beaucoup. Ouais, je vais grossir! Merci. Technicienne de cils? Regardez, elle est technicienne de cils. Ne me dites pas qu'il y a un BTS recourbage de cils. Je ne veux pas y croire. Sonexos qui remporte cette épreuve. Bravo! Bravo Sonexos! Putain! Une situation compliquée avec un enfant. Moi, je suis peut-être jeune, j'ai peut-être que 20 ans, mais je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Si elle sait pas comme moi, je vais être avec elle, peut-être que ça changera la donne. Mais non, t'es pas prêt! Oh non, t'es pas prêt! Non, 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 non! À 20 ans, t'es pas prêt à assumer ta paternité! Surtout qu'en plus, c'est pas toi qui l'as fait, le gamin! Non, tu n'es pas prêt! Tu n'es pas prêt! Ah, et la bandelette, c'est carrément éteinte. Allez, active-toi! À l'ancienne, regardez, faut taper dessus! Voilà! Vraiment l'ancienne, faut taper dessus! Il y a une bête d'hallucination auditive. Vous savez ce que j'entends, moi? Oui, on fait caca dans l'eau. Oui, on fait caca dans l'eau. J'ai entendu ça tout du long. C'est insane. Ils vont clairement passer un très très bon week-end. Parce que là, concrètement, là, il a fait la meilleure entrée en matière. Qu'il est arrivé, il était sain d'esprit, il pensait avec sa tête. Il l'a direct pécho. Regardez son cerveau, c'est qui passe? Eh bien, il descend tout en bas, son cerveau. Il pense avec sa bite, 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 bite. Et quand on pense avec sa bite, 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 on pense pas à grand-chose, hein. On pense qu'à une chose. Ouais, ouais, ça va. Lyon et Paris. Bah, t'auras Tokyo, t'es. Allez. Et à Tokyo, qu'est-ce qu'on met? On met un hôtel. Il faudra que tu sois en forme après. Ah bon? Bah oui. Wow. Elle fait une masterclass de rentre dedans par contre là. Là, l'étape d'après, oui, c'est l'explicite. Hein. L'étape d'après, c'est baise-moi. Hein. Alors envie de moule, ça sent la marée. Hein. Ouais, de ouf. Là, en tant que célibataire, t'as une meuf qui te dit ça. Là, t'as le zizi qui fait comme ça hein, dans la tête. Hein.